Nous sommes à Vichy. Ces locaux, ce sont ceux de la mission locale et du point information jeunesse. Ces deux structures ont un objectif commun, faciliter la recherche d'emploi pour les jeunes. La mission locale de Vichy a principalement un rôle d'accompagnement. La garantie jeune est une des actions de la mission locale. C'est un tremplin vers l'autonomie et l'emploi. La mission locale a toujours été sur l'accompagnement global, individuel. La garantie jeune, ça apporte quelque chose de nouveau. Ça apporte une vision collective de l'accompagnement qui existait, mais qui n'était pas forcément très développée. On s'occupe à la fois de la partie très professionnelle, mais on s'occupe aussi de lever ce qu'on appelle les freins qui permettent aux jeunes d'accéder à l'emploi. Donc c'est la situation du jeune et c'est l'évaluation que pourra faire les conseillers en insertion de la mission locale de cette situation du jeune qui permettra ou non d'accéder à certaines aides. J'ai des retours de la directrice qui a été elle-même conseillère et après 7 ou 8 ans, effectivement, elle croise encore des jeunes dans la rue qui lui disent « rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi ». Il y a 7 ans, j'étais avec toi, on était tous les deux sur mon insertion, je ne savais pas où j'allais. Maintenant, j'ai trouvé, je suis heureux. Qu'est-ce que ça fait, à votre avis? Qu'est-ce que ça fait? À la mission locale, le rôle des conseillers est de lever les freins à l'emploi. Ces freins qui peuvent être des problèmes de mobilité, des problèmes personnels ou des problèmes de santé. Le rôle du conseiller est principalement un rôle de mise en confiance. On propose rien tout de suite, on l'écoute déjà, on vient pour voir ce qu'il veut exactement, en fait, ce qu'il attend, ce qu'il connaît de nous, hein, et puis en fonction, après on établit comme un diagnostic, on verra un peu ce qu'on peut lui proposer, puisqu'ils peuvent avoir les profils orientation professionnelle, voilà, ils sont complètement à la recherche, ou ils sortent du système scolaire et ils ne savent plus du tout quoi faire. On essaye de proposer des choses à chaque jeune, mais on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas un catalogue d'aide où on se dit lui, voilà. On ne met pas les jeunes dans des cases, du moins on essaye. Comme chaque personne est différente, je ne peux pas vous dire qu'il y a un programme, un dispositif, une aide qui est formidable. Je veux dire, c'est tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, ça peut aider une personne. Donc ça leur permet un petit peu d'avancer à ce niveau-là et de reprendre confiance en eux. Quelquefois, ils sortent d'ici pas avec un emploi, mais reboostés pour rechercher de l'emploi et ça fait du bien quelquefois. C'est le cas d'Alex. À 22 ans, il est arrivé à Vichy sans rien. Le rôle de la mission locale a été déterminant dans ses choix et son parcours. Alex a aussi rejoint la garantie jeune. Ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis d'avancer dans ma vie professionnelle, personnelle. Si je n'aurais pas fait partie de la mission locale et du dispositif de la garantie jeune, eh ben, ça se trouve, je serais en train de mendier quoi dans la ville de Vichy, de manger des cailloux. Il y a eu des cours de fait avec des intervenants aussi, donc des patrons, on a eu un comédien aussi qui est venu pour nous mettre à l'aise, nous expliquer comment faire et nous donner aussi quelques astuces. C'est vraiment un gros plus quoi, parce qu'on se dit, si ça va, il y a toujours quelqu'un pour nous expliquer les choses, pour nous aider. Dans mon cas, quand on ne connaît personne, quand on vient juste de débarquer, c'est un plus, oui. Ça nous met en confiance, on va dire. C'est convivial, la mission locale. C'est... Je sais pas comment vous expliquer. C'est un lieu qui nous... Rien que de rentrer dans le lieu, ça nous donne envie d'aller plus loin. Voilà. Aujourd'hui, la mission locale, comme tous les ans, prépare la piste au métier. C'est la découverte pour les jeunes des métiers existants dans la région. La garantie jeune se déroule sur plusieurs sessions dans l'année et les conseillers sont encore plus déterminés à apporter leur aide aux jeunes.